Est-ce qu'on entend? Test, test, 1, 2, 3, test. Through the patience, money comes and goes.
numéro 5, défenseur Laval. Justin Dubé, numéro 8, attaquant Saint-Joseph. Et numéro 9, attaquant. Nicolas Jardin, numéro 10, attaquant Laval. Yann Médic, numéro 11, Jesse Scott, numéro 12, attaquant Courrier. Jean Farmer, numéro 13, attaquant Blaine. André Chouard, numéro 14, défenseur. Jean-Antoine Petit, numéro 16, attaquant Matamala. Numéro 17, attaquant Olivier Arachan, numéro 18, attaquant Saint-Joseph-du-Lac. Benjamin Robert, numéro 19, centre. Thank you.
messieurs, et bienvenue à la présentation. Et bienvenue à la présentation de la finale. Premier match de cette série finale 3-5 de la Ligue de hockey collégiale du RSEQ opposant le Boomerang Cégep-André Laurendeau au Nordique du Collège Lionel Groulx. Ici Tristan Mac et Olivier Berthelot à la description et l'analyse du match de ce soir. Olivier, ce soir débute une série finale entre deux puissances de la Ligue, le Cégep-André Laurendeau et le Collège Lionel Groulx. Du côté du Boomerang, il y a beaucoup d'expérience qui peut aider cette équipe. Oui, exactement, Tristan, tu l'as très bien dit. André Laurendeau, qui est une équipe formée de beaucoup de vétérans, qui en sera leur quatrième présence en finale depuis leur création, dans le fond, depuis 8 saisons maintenant. Évidemment, on désire répéter l'exploit du côté d'André Laurendeau après une belle victoire l'année passée, afin de terminer la saison. Côté du Lionel Groulx, par contre, on a une jeune équipe, une très très jeune équipe qui désirait causer la surprise face aux champions défendants. Il ne faut pas leur enlever ça. Ils ont également la meilleure attaque cette saison et la meilleure attaque depuis le début des séries. Et cette série va être très intéressante parce que ces deux équipes dont la meilleure attaque et la meilleure défensive, ça va être intéressant de voir comment que l'attaque du Nordique de Lionel Groulx va pouvoir percer la zone offensive, la zone du Boomerang au cours de cette série. Exactement. On peut compter sur beaucoup de défenseurs offensifs du côté des Nordiques, notamment. On peut compter sur Bruno Quentin, par exemple, et Cédric Chouinard, qui sont tous les deux respectivement au premier et deux et troisième rang des pointeurs depuis le début des séries. Et il faut prévoir Et il faut prévoir une série qui sera très serrée aussi entre les deux équipes. Il sera très intéressant de voir ce duel. Un point les séparer les deux au classement général durant la saison régulière. Ouais, une saison très... de la saison. C'est une nouvelle saison rendue là et on a droit à avoir les deux meilleures équipes présentes depuis le début de la saison ce soir sur la patinoire. Maintenant, place à l'interprétation des hymnes nationaux. Maloani qui rentre dans le territoire adverse. Maloani se fait poursuivre et c'est, même,
Et la rondelle se retrouve derrière le but. Chouinard laisse la rondelle le long de la balle et c'est Delisle qui reprend la rondelle. Et c'est Gervais qui a le disque. Gervais s'amène, tire et rate la cible. De l'autre côté maintenant, c'est repris de bas. Cédric Chouinard, la passe à Mathieu Régaud. Et maintenant, c'est Yann Doggett qui a la rondelle. Yann Doggett dans le territoire adverse, dans le coin, la passe devant, le tir, ça rate le filet. Et la rondelle est récupérée par Samuel Payard. Sortie de territoire là, pour le Boomerang. Samuel Payard tente une feinte. La rondelle est reprise par le capitaine Quentin qui l'envoie à son coéquipier le long de la bande. C'est Mimon qui a le disque. Mimon la passe à Quentin. Quentin la passe en territoire central et finalement, c'est récupéré par la défensive du Boomerang. Dans le territoire des Nordiques maintenant. Quentin qui l'envoie de l'autre côté. Il s'est récupéré par Quentin. Quentin, il va de dégagement et s'est récupéré par Paiement. Paiement de l'autre côté, derrière. On y va du côté du territoire central et c'est Paiement qui récupère le disque. Et le dégagement du Boomerang et on applique des changements du côté du bord d'Alexandre Dardenneau. Derrière le but du Boomerang, sorti. Quentin qui a le disque, la passe à Mimo. Dans le territoire adverse maintenant, Mimo a le disque. Mimo, il va d'une passe, c'est trop long et finalement c'est récupéré par Quentin qui va d'un tir. C'est arrêté, la rondelle a été déviée dans le filet protecteur. C'est l'arrêt du jeu. La rondelle est remportée du côté de Lionel Groulx. Sortie de territoire, finalement c'est bloqué. Et c'est Sicard qui a le disque, le tir bloqué. Et la rondelle revient dans le territoire des Nordiques. Saint-Surin qui a la rondelle maintenant. Derrière le but, revirement, la passe devant. Et finalement c'est récupéré par les Nordiques en sortie de territoire. Au territoire central. Et finalement la rondelle a été déviée dans le banc des Nordiques. Et c'est l'arrêt du jeu. Enjeu gagné par les Nordiques. C'est Mathieu Régaud qui a la rondelle. Le dégagement de l'autre côté et c'est l'intervention de Maguire. La passe qui est interceptée derrière le but. Bataille à deux pour la rondelle et finalement c'est gagné par le Boomerang. Dans le coin maintenant. Terrien qui a le disque et ça se bat pour le disque là. Encore une fois, le long de la bande derrière le but et le Boomerang tente de sortir de son territoire mais c'est impossible. Derrière le but, Delisle, la passe de l'autre côté, c'est bloqué par Chouinard et finalement la rondelle sort du territoire du Boomerang et on se retrouve maintenant devant le banc des Nordiques. Delisle qui a le disque maintenant, il va d'un dégagement qui devient un tir bloqué par le gardien. Derrière le but, Chouinard. Chouinard a le disque, ça mène dans le territoire adverse, ça faufile. Il va d'un dégagement du revers et ça va être récupéré par Alexis Payan. Payan de l'autre côté à la belle. Et finalement, ça a intercepté là, par les Nordiques. Une passe devant. Quentin qui a la rondelle. Le tir s'est bloqué. Et derrière le but, maintenant, c'est la bataille là, en 5. Et finalement, c'est gagné par le Boomerang. Payan qui sort gagnant de cette bataille pour la rondelle. Et on y va d'un dégagement. Mimo maintenant qui a le disque dans son territoire. À Quentin. Quentin la passe devant et finalement c'est intercepté par Boutin qui va d'un dégagement. Mimo qui a le disque. Quentin. Quentin se faufile et finalement la rondelle se retrouve derrière le but du Boomerang. Mimo qui a le disque. Il va d'un dégagement et c'est dévié dans le filet protecteur. Alors du côté du Boomerang, on a de la difficulté à sortir de la rondelle de notre territoire là. Ouais, on a de la difficulté, mais il fallait s'y attendre aussi. On est très agressif du côté de Lionel Groulx depuis le début du match. Mais j'aime bien la réaction du collège André Laurando. On reste prudent, autant en zone neutre qu'en zone défensive. On garde ça serré comme on sait aussi bien le faire depuis le début de la saison. Alors mise en jeu remportée par le Boomerang, c'est le dégagement. Et la rondelle va être reprise par Saint-Surin. La passe de l'autre côté.
à Chouinard. Chouinard qui a été qui est allé d'une passe et finalement s'est intercepté par Pro. Attention là! L'attaque continue, le tir! Et c'est l'arrêt du gardien Jacques-Yves Rouleau. Une bonne entrée de territoire là, pour l'attaque du Boubragne. Oui, un beau revirement causé par la pression offensive de ceux-ci. Un beau tir sur la dernière séquence de l'attaquant du Boomerang, mais le gardien est resté solide du côté des Nordiques. Mise en jeu à la gauche du gardien de but, Paglia Rouleau. Tristan Gagnon à la mise en jeu pour le Boomerang et c'est remporté par ce dernier. De Lille qui a le disque. La passe et finalement c'est intercepté par Daou. On tente de se faufiler dans le territoire du Boomerang, mais la rondelle est toujours dans la zone neutre. Saint-Surin, la passe à son coéquipier Chouinard. Arnaud Chouinard, le défenseur. La passe de l'autre côté. Et c'est Landry qui a le disque, l'envoie derrière à son coéquipier. Landry qui a toujours la rondelle, il l'envoie à Jacob Bro, qui est en arrière de lui. Sortie de territoire pour le Boomerang. Bro la passe à sa droite et finalement c'est repris par Michael Green. Green s'amène dans l'attaque avec Bro, la passe. C'est bloqué par le défenseur. Et finalement c'est Daou qui s'amène dans le territoire offensif. Daou dans le coin avec Gagnon qui le suit derrière, Landry. Et finalement, la rondelle est gagnée par Tristan Gagnon. Revirement, il n'y aura plus d'issue contre les Nordiques. Le Boomerang pourra profiter d'un avantage numérique sur la prochaine séquence. Oui, il fallait rester discipliné pour le Boomerang depuis le début de la rencontre. Reste à voir si l'infériorité, si le désavantage numérique va réussir à faire le travail. C'est un avantage numérique pour les Nordiques. Oui, on va voir pour la première fois l'avantage numérique du Boomerang dans cette série. Alors, c'est Payeur à la mise en jeu. Il a perdu la mise en jeu et c'est repris par Sicard. Bataille à 4 et finalement, la rondelle est reprise par Darcy Malouani. Malouani, il va d'une passe à la belle et finalement, le filet a été déplacé. C'est l'arrêt du jeu. Alors, on a tenté une séquence à l'attaque et le filet a été déplacé sur cette séquence. Le Boomerang qui... Une belle tentative de passe de Malouani, ouais, sur la dernière séquence. Le Boomerang cette saison qui est le deuxième meilleur avantage numérique en saison régulière avec 20,37% d'efficacité. Payeur à la mise au jeu, il ne la remporte pas. Finalement, c'est repris par Sicard qui s'amène dans la zone 1, dans la zone offensive, mise en échec de Delille et c'est repris par Malouani. La passe devant lui à la belle, Guillaume Labelle. La passe à Payeur, à la belle, et finalement c'est intercepté à la ligne bleue. De Lille maintenant. De Lille avec le disque, la passe à Malouani, à De Lille. De Lille perd le disque en tentant une feinte. Et finalement, De Lille qui récupère le disque et reprend dans la zone neutre la passe à Malouani. Malouani laisse à Alexis Payeur. Payeur à Alexandre Roy. Roy qui attend patiemment derrière son filet pour les changements de son équipe. Roy qui va laisser. Roy qui sort finalement de son territoire. Il va d'une passe devant lui, c'est repris par Jacob Bro. Bro la passe derrière lui à Tristan Gagnon. Gagnon, il va d'une passe à Alexandre Roy. De l'autre côté à Nicolas Landry. À Gagnon qui perd le disque et c'est repris par Saint-Surin. À Doggett. Bataille à 4 pour la rondelle et finalement c'est Roy qui en sort gagnant le tir. C'est dévié. Et finalement, le Boomerang qui récupère la rondelle. Bro à Roy, à Landry. De l'autre côté, à Gagnon, à Roy. Roy la passe de l'autre côté. Finalement, Roy reprend. Roy le long de la bande à Landry qui effectue un tir. C'est bloqué. Excellent jeu défensif de la part. Et attention, il s'amène dans le territoire offensif. La fête, l'arrêt de Maguire. Super jeu en désavantage numérique pour les Nordiques. Et on y va d'un 3 contre 3. Pro qui tente une fête. Finalement, c'est bloqué par Philippe Daou. Et la rondelle est toujours dans le territoire des Nordiques. Pro avec le disque qui va d'une passe. Et c'est intercepté par Rego. La passe à Farmer de l'autre côté. Passe à intercepter derrière le but. Et on y va. Et on tente une... Et là maintenant, du côté du Boomerang, on se passe la rondelle en tentant de sortir du territoire. Et finalement, c'est Saint-Amour qui a le disque dans la zone neutre, dans la zone offensive. Saint-Amour applique les freins, tente une passe devant, c'est pour personne. Et finalement, au niveau d'un tir, ça rate la cible. Et la rondelle, avec le rebond, ça va dans le territoire du Boomerang.
intervention de Maguire qui lance la rondelle à son capitaine William Delisle. Delisle maintenant, il va nulle part à sa droite. Et c'est récupéré par Vosniadez, Saint-Surin qui intervient. Et finalement, la sortie de territoire pour les Nordiques. Au niveau d'un dégagement, et finalement, ça a été dévié sur le patin du défenseur des Nordiques. Alors, du côté de l'avantage numérique du Boubranc, on a profité d'une... Il y a eu une échappée causée par un revirement vers la zone offensive du Boomerang. Exactement. Une belle pression de l'attaquant Nicolas Gervais sur la dernière séquence. Un très beau tir bloqué tout d'abord. Et du côté des Nordiques, on croyait qu'il y avait matière à tir de pénalité. Le défenseur a semblé accrocher l'attaquant lors de l'échappée. Alors là, c'est Saint-Surin qui a la rondelle. Ça mène dans la zone offensive. Le dégagement de l'autre côté. Et c'est récupéré par Maguire. Passe interceptée par Poulin, la passe d'avant et finalement ça va être récupéré par le Boomerang. Là. On tente une feinte dans le territoire central et finalement ça va être Antoine Boutin qui va récupérer le 10 derrière le but. Il va de l'autre côté et c'est Sicard qui va d'une passe à Mathieu Rigaud. Du côté des Nordiques, on sort, on l'envoie de l'autre côté. C'est récupéré par Boutin qui va d'une passe du revers à son coéquipier Alexis Payan. On tente de sortir du côté du Boomerang, là. C'est difficile. Face à une puissance offensive comme les Nordiques. Et finalement, on sort la rondelle et c'est Cédric Chouinard qui récupère dans la zone neutre la passe à Boutin. C'est dévié et c'est dans le coin maintenant. Et on tente une sortie de territoire. Là. Attention! On y va d'une passe avant, le tir, l'arrêt du gardien, le retour derrière le but. Le tir, l'arrêt encore une fois. Une belle montée à l'attaque du côté du Boomerang là-dessus. Et finalement, c'est Cédric Chouinard qui a le disque. Il va d'une passe interceptée par Landry qui tire. L'arrêt du gardien Paglia Rouleau. Alors une excellente séquence offensive pour le Boomerang. Oui, l'avantage numérique semble avoir... Alors, 10 minutes à jouer à cette première période, toujours 0 à 0. L'avantage numérique semble avoir complètement changé le momentum d'un côté. On voit le Boomerang beaucoup plus agressif depuis quelques instants, Tristan. Alors, mise en jeu à la droite du gardien Paglia Rouleau. Et c'est remporté par Gervais, la passe qui va à Mimo. Mimo tente une sortie de territoire, s'amène dans la zone neutre, faufile dans la zone offensive. Mimo s'amène vers le disque et c'est récupéré par le Boomerang dans la zone neutre. La chapelle qui tentait de récupérer le disque et finalement c'est récupéré par Chouinard. Arnaud Chouinard, le dégagement de l'autre côté, c'est bloqué par le gardien dans le coin. On y va d'une passe d'avant, le tir, c'est bloqué et finalement le Boomerang qui sort de son territoire. On y va d'un dégagement de l'autre côté. Mimo qui récupère le disque. Mimo, derrière le but, avec Label qui le suit derrière. Et finalement, c'est le dégagement dévié dans le banc des Nordiques. Alors toujours 0 à 0 entre ces deux équipes. On a droit à un début de match serré entre les deux équipes comme on l'avait prévu en début de reportage. Alors, mise en jeu à la gauche du gardien de but, Paglia Rouleau. Samuel Payeur qui s'occupe de la mise en jeu. Le tir, ça rate la cible. Le long de la bande, là. Dégagement bloqué par Malouani qui l'envoie de l'autre côté. Label qui tire, c'est bloqué. Il va lui prendre sa balle, le tir, c'est bloqué. Le retour, Malouani du revers. Et finalement, le dégagement du côté des Nordiques de Lille qui l'envoie à son coéquipier Label. C'est trop long et finalement, Payeur qui récupère la rondelle. Mimo qui tente de sortir et finalement Label qui joue bien. Et on appelle une punition. Non? Oui! Une punition contre les Nordiques. Avantage numérique pour le Boomerang. Alors tu disais plutôt que l'avantage numérique semble avoir donné un peu d'aile là, au Boomerang. Ça va être intéressant de voir sur cette séquence. Que se passera-t-il pour la troupe d'Alexandre Dardenault? 0 à 1 depuis le début du match en avantage numérique pour le Boomerang. C'est une bonne occasion là, de saisir à l'attaque du côté de la troupe d'Alexandre Dardenault. Oui, c'est une bonne occasion. Philippe Daou semble très mal en point. C'est un dur contact qu'il a eu au centre de sa propre zone. Bon, on a appelé obstruction du côté des arbitres. Mais
je crois en toute honnêteté que c'était plus un contact accidentel qu'autre chose. Alors, mise en jeu à la droite du gardien de but, Maglia Rouleau. C'est Benjamin Robert face à Jacob Proulx. Pro ne remporte pas la mise en jeu et finalement c'est repris par Sigard qui va d'un dégagement. L'entrée à la poursuite de la rondelle. Laisse devant lui. Et finalement, on récupère du côté des Nordiques. Un dégagement volé. Et finalement, Pro qui va récupérer le disque. Pro la passe à Green derrière lui. Green, il va d'une sortie. Finalement, c'est intercepté par Chouinard qui va d'un dégagement de l'autre côté. Alexandre Roy, maintenant avec le disque derrière son filet. Roy attend patiemment pour s'installer, pour sa sortie de territoire. La passe de l'autre côté, c'est Jacob Proulx qui s'amène à l'attaque. Proulx, il va vite passer avant le tir. L'arrêt, la mitaine. Gigantin, Maglia Rouleau. Une excellente séquence offensive. En avantage numérique pour le boomerang. Un très beau tir sur la dernière séquence de l'attaquant du boomerang. Le gardien Maglia Rouleau qui réagit très bien et sort la mitaine afin de priver, le boomerang de son premier but du match. Alors, c'est Nicolas Gervais face à Malouani à la mise au jeu. C'est remporté par Gervais. Là. C'est récupéré par Mimo qui va d'un dégagement. C'est bloqué par Payeur. Payeur avec le disque laisse derrière lui à William Delisle. De l'autre côté, on y va. On s'installe là, du côté du boomerang. La passe à l'attaque là pour Payeur. Derrière à Delisle de l'autre côté. À son coéquipier Delisle. La passe à Payeur. Payeur le tire. C'est l'arrêt du gardien. Et finalement, la rondelle est dans le coin là. Mimo avec le disque. Malouani qui intervient. Payeur qui a le disque. Et Payeur l'envoie à Delisle. De l'autre côté. À Payan. La passe à Delisle. Delisle la passe à Payeur. Payeur de à Delisle. À Payeur. On est au cercle. Payeur perd le disque. Tente une feinte et finalement c'est récupéré par Gauthier qui l'envoie à Delisle. De l'autre côté à Malouani. Malouani, la passe devant Payeur, le tir! Et c'est l'arrêt. Payan avec le disque maintenant. Payan, la passe à Delisle. Delisle à Payeur, la passe devant. C'est trop long. Et Malouani qui récupère. Malouani, la passe à Delisle. Le tir, c'est bloqué par le défenseur et c'est récupéré par Payeur. Gervais maintenant qui a le disque. Et on sort du côté des Nordiques. Les changements du côté du boomerang. Et on est dans la zone neutre maintenant. La rondelle est récupérée par Vosniadel. C'est finalement c'est intercepté. Attention là. On a de l'attaque là, tu sais. Et c'est l'arrêt du gardien Maguire. On va rester plus là du côté du boomerang. Encore une fois, Gervais qui cause un revirement dans sa propre zone. Et on a bien réagi du côté des défenseurs. Heureusement, on a empêché cette attaque. Mais on commence à voir ça très souvent du côté d'André Laurando. Beaucoup d'espace donné dans la zone neutre là, pour notre équipe pour se faufiler à l'attaque. Mise en jeu à la droite de Maguire. C'est remporté par les Nordiques. Derrière le but. Roy avec le disque. On bataille à 4 pour le disque. Et finalement, c'est repris par Saint-Surin. Tir bloqué par la chapelle. Excellent jeu défensif. Et la rondelle est récupérée par Benjamin Robert. Contact là, en entrée de zone. Il y aura punition contre le boomerang. Saint-Surin maintenant dans la zone neutre. Saint-Surin, il va d'un dégagement. La rondelle a été déviée dans le bas du boomerang. Punition contre le boomerang. L'avantage numérique de Lionel Proulx, qui a été le 8e meilleur cette saison. C'est La Chapelle qui sera chassée pour coup de bâton. Alors c'est une bonne chance à saisir du côté de la puissance offensive de Lionel Proulx. Si la pénalité de Philippe Daou semblait un peu inusitée, celle d'Alex Lachapelle le sera tout autant. J'ai un peu de misère à comprendre la dernière décision des officiels sur ce jeu. Alors, c'est Gervais à la mise au jeu pour les Nordiques. Et c'est remporté par le boomerang. On y va de l'édiagement tout de suite. La rondelle se retrouve sur la palette de Maglia Rouleau. Mimo maintenant qui a le disque. Mimo en sortie de territoire, la passe à Farmer. De l'autre côté, c'est dévié par le bâton de Saint-Amour et la rondelle se retrouve à l'extérieur.
de la patinoire. Alors, un bon début de désavantage numérique pour le boomerang là-dessus. Un dégagement tout de suite pour commencer. Oui, on n'a pas perdu de temps. On ne voulait pas prendre de chance face à une attaque aussi performante que celle des Nordiques. Mise en jeu remportée par Nicolas Gervais. La rondelle est récupérée par Cédric Chouinard. Jonathan Amimo. Et là, on y va d'une tentative à l'attaque dans le coin. Et la rondelle est récupérée par Landry de l'autre côté. Là, c'est intercepté par Chouinard. Le Boomerang tente de prendre possession du disque et finalement, ça continue pour les Nordiques. Passe interceptée par Chouinard. Là-bas, ça Doggett. Doggett qui s'amène le tir. C'est l'arrêt du gardien. Derrière le but, Chouinard qui reçoit le disque et on replie à la ligne bleue. La passe à Mimo. De l'autre côté, à Cédric Chouinard. Chouinard à Boulet. À Chouinard qui va dans le tir. C'est dévié devant le tir. Oh, quelle chance ratée. Le tir. Et c'est l'arrêt de Magui. Deux excellents arrêts pour le gardien du boomerang. Boulet maintenant avec le disque. À la ligne bleue. C'est Mimo. À Chouinard. La passe devant. Le dégagement du boomerang. Alors, Maguire là, qui a effectué quelques bons arrêts pour garder son équipe dans le match suite à cette séquence. Oui, une très belle entrée en scène de Maguire. Ce premier match des séries, pour lui, il faut le mentionner. Oui. Qui est en remplacement de Jacob Delors. Alors, on est de l'autre côté. Une bataille à quatre pour la rondelle. Là, et finalement, c'est gagné par le boomerang. Le dégagement de l'autre côté. Effectué par Alex Vosniadès. Sortie de territoire pour Mathieu Rigaud maintenant. Rigaud, la passe à son capitaine Quentin. Et finalement, la rondelle est déviée. C'est récupéré par Quentin. Quentin laisse la passe à Mathieu Rigaud qui se replie derrière son but. Rigaud, la passe à Quentin de l'autre côté. Sortie nébuleuse là pour. Et là, il semble avoir un joueur étendu sur la patinoire. C'est Daou là, qui est mal en point. Comme tu le mentionnais plus tôt, Olivier. Et le thérapeute, là, qui est directement envoyé sur la patinoire. Philippe Taou qui va sortir à l'aide de ce dernier. Alors, on n'a pas vu la séquence, Olivier, là-dessus, mais Philippe Daou semble être mal en point. Oui, force est d'admettre que son match est probablement terminé. Déjà, le premier contact avait l'air très, très douloureux pour lui. Le deuxième a l'air deux fois pire, si je peux dire. Alors, mise en jeu à la gauche du gardien Pagliarulo. C'est Jonathan Therrien face à Tristan Gagnon. Michael Green qui a la rondelle. De l'autre côté, c'est Saint-Surin qui récupère le disque. Saint-Surin tente une passe à la baie. Finalement, c'est récupéré de l'autre côté par Payan. La passe à Green. Green avec le disque. Attention, la sortie nébuleuse encore une fois. Et finalement, Roy qui laisse la rondelle derrière son but pour Alexis Payan. Payan qui laisse derrière lui pour Tristan Gagnon. Gagnon qui va d'une passe, c'est intercepté le tir. L'arrêt de Maguire. Alors, des revirements d'un côté comme de l'autre. Là. Une mauvaise sortie de zone. Et finalement, on sort du côté du boomerang. La rondelle qui sera récupérée par le défenseur Saint-Surin. Qui attend derrière son but. Le dégagement de l'autre côté, c'est récupéré par Sicard. La passe pour Therrien. Therrien qui se faufile, applique les freins. Il va d'une passe de l'autre côté. Finalement, ça devient un tir. Et c'est Payan qui récupère la rondelle pour Alexandre Roy. Rondelle déviée, la rondelle sort. Attention, là, c'est Malouani. Deux contre un. La passe à Payan. Arrêt! C'est Pagliarulo. Excellente séquence offensive pour le boomerang. Et là, on se bat pour la rondelle en entrée de zone. Et finalement, c'était rien que le disque. Et Boutin qui a le disque maintenant. Alors, excellente séquence offensive pour le boomerang jusqu'à présent. Là. On sort Mathieu Rigaud à Chouinard, à Rigaud pour Boulet. Boulet s'amène au centre. Il va d'un dégagement. Et c'est l'arrêt du jeu. La rondelle qui a été déviée à l'extérieur. Alors, Olivier, là-dessus, on a vu un excellent 2 contre 1, Malouani avec Samuel Bayer. Oui, exactement. Malouani qui a profité
de ce surnombre a débordé le défenseur des Nordiques vers la rampe avant de remettre vers l'enclave. Un bel arrêt toutefois du côté de Pagliaro qui sort la jambière sur la séquence. Alors Rigaud qui a la rondelle, la passe à Chouinard qui va de dégagement, c'est bloqué, c'est récupéré par Saint-Amour. Saint-Amour, il va de dégagement et c'est récupéré par Chouinard. Chouinard a le disque. Tourniquet, finalement, on se bat à cap pour la rondelle. La rondelle est gagnée par Chouinard qui laisse à Rigaud en arrière. À paiement. Paiement, pardon. Et Rigaud qui a le disque à Chouinard. La passe pour Robert. Robert qui va d'une passe interceptée par le boomerang. Par Alexandre Roy qui va d'un dégagement de l'autre côté. Et c'est récupéré par Cédric Chouinard. Toujours 0 à 0 entre les Nordiques de Lionel Crew et le Cégep André Laurando. Attention, là, on a tenté une entrée de territoire et finalement ça n'a pas fonctionné. Rigaud, la passe à Chouinard, à Rigaud, à Paiement. Paiement, il va d'une passe devant lui à Daou. Roy maintenant dans le coin. On se bat pour la rondelle. Roy qui est là avec La Chapelle. Daou également. Et finalement, la rondelle est gagnée par Landry qui va laisser et c'est récupéré par Rigaud. Dans le coin, là, à la gauche du gardien Maguire. Et Daou qui a le disque. Daou laisse à Farmer. Dans le coin. On laisse à la ligne bleue. Rigaud qui tire, ça rate la cible. De l'autre côté, c'est Chouinard avec Coton qui le suit. Dernière minute de jeu de la première période, toujours 0 à 0 entre les deux équipes. Rigaud dans le coin. Rigaud, il va d'une passe derrière le but et la rondelle est récupérée par le boomerang. Une passe interceptée par Rigaud. Daou maintenant. Daou, la rondelle est récupérée par La Chapelle qui s'amène dans la zone offensive. La Chapelle qui s'amène. Contourne le filet, il va d'une passe à Payante qui se fait trébucher, punition contre les Nordiques. Alors, la boomerang pourra profiter d'un avantage numérique en fin de période, Olivier. Ça, ça peut faire la différence. Oui, on s'en est très bien tiré du côté du boomerang. À deux reprises en zone neutre. Deux joueurs du boomerang sont entrés en contact avec les joueurs des Nordiques. Ça ne semblait pas tellement accidentel, mais on va profiter d'un avantage numérique du côté du boomerang en fin de période. Ça pourrait être dangereux. Alors, du côté du boomerang, il y a Tristan Gagnon, Jacob Rowe, Michael Green, Alexandre Roy et Nicolas Landry qui a la rondelle d'ailleurs. La passe à Roy. Roy à Green. La passe de l'autre côté à Rowe et c'est intercepté. Attention, 2-1. C'est Robert qui a le 10. C'est bloqué par Roy. Dans le coin. Croix qui a le disque et finalement c'est récupéré derrière le but. On y va d'une passe et c'est intercepté par le boomerang. Green qui a le disque en entrée de zone. La passe derrière lui, le tir de Gagnon, c'est l'arrêt et ça coïncide avec la fin de la première période. Après 20 minutes de jeu, 0 à 0 entre les Nordiques de Lionel Crew et le boomerang. C'est Jean-André Laurent. Sur les Nordiques que vous avez ce soir à une soirée au tempo étudiant du collège Lénégo aura lieu un spectacle carré de roulette pour plus de 15$ pour les étudiants et 20$ pour les adultes. N'oubliez pas qu'un service de bar est à votre disposition au niveau de la patinoire à tout près. L'entrée principale, merci. Thank you.
sélection un tirage moitié-moitié du Sambour. Dans les estrades, nous vous invitons à encourager un grand nombre de Nordiques. La question de ces tirages moitié-moitié.
Notamment Landry et Alexandre Roy qui pilotent la première unité d'avantage numérique du boomerang depuis le début de la rencontre, mais on ne tire pas assez au but. Il faudra vraiment tester le gardien un peu plus souvent que ça, mais on le sait qu'il est prêt. Et depuis le début de la rencontre, il sort des gros arrêts. C'est pas pour rien, c'est encore 0-0. Mais on a droit à un match serré et on aura droit à une bonne deuxième période. Faut le dire, du côté de Lionel Vaux, ils n'ont pas donné beaucoup d'angle de zéro but aussi pour la troupe d'Alexandre Lardenau à l'avantage numérique. Oui, exactement. On croyait qu'André Lardenau était la puissance défensive, mais les Nordiques tirent très bien leur... Alors Benjamin Robert à la mise au jeu face à Jacques Lepron pour le début de la deuxième période. Là, on est défoncé, c'est parti! Saint-Surel qui dégage, lui qui a joué pour... Le dragueur de Bécomo dans la Ligue junior majeure du Québec. La rondelle qui est récupérée par Michael Green. La passe à Landry, derrière lui. À Roy, pardon. Roy a le disque. Entend derrière son filet. Laisse la rondelle à Green, qui sort de son territoire dans la zone neutre maintenant. Faufile. Ça mène dans le territoire offensif avec Mimo qui le suivait derrière. Mimo à le disque et le dégagement réussi de l'autre côté. Maguire qui intervient et la rondelle est récupérée par Michael Green. Green s'amène dans le territoire offensif. La passe devant, le tir sera placé. Gagnon à la rondelle maintenant. Gagnon la passe devant pour Pro. Et finalement, dégagement des Nordiques. Alors, excellent début de désavantage numérique pour les Nordiques de Lionel Vaux, Olivier. La rondelle est derrière le but, là. Daouki, il fallait le dire, l'arrêt du gardien. Et là, on s'échange les mots entre Farmer et Payeur, et ça n'ira pas plus loin. Mais excellent début de désavantage numérique pour la troupe de Champs-du-Péré. Alors, la mise en jeu sera à la gauche du gardien Magui. Payeur
passer à Philippe Daou pour la mise en jeu. La rondelle est déposée, c'est parti. Delisle qui a le disque maintenant. Delisle a la rondelle à Payeur. Payeur contourne son filet, ça mène dans la zone 1 maintenant. La passe de l'autre côté, c'était pour Malouane. Quentin qui récupère le disque, il va d'un dégagement. Quentin qui a joué pour les Foreurs de Val-d'Or. Un autre qui a joué dans la Ligue junior majeure du Québec du côté des Nordiques de Lionel Groulx. Alors que William Delisle attend patiemment, il laisse la rondelle pour Payeur qui laisse à Vosniadez. Vosniadez s'amène dans la zone offensive. La rondelle est récupérée par Quentin qui va d'un dégagement du revers et ça a été dévié dans les hauteurs. Dans les hauteurs, pardon, de l'aréna de Sainte-Thérèse. Alors encore une fois, c'est très serré cette rencontre. Et le désavantage numérique de Lionel Groulx qui n'a donné aucune chance à la puissance, à l'attaque à 5 de la troupe d'Alexandre Dardenneau. La Chapelle remporte la mise en jeu. La rondelle est récupérée par Vincent Tétrault qui laisse de l'autre côté. La Belle, et maintenant, c'est Gervais. Et punition contre le Boomerang. Obstruction. Et c'est Sam Saint-Amour qui sera chassé pour 2 minutes. Un avantage numérique pour le cégep de Lionel Groulx. Une chance pour eux là, de pouvoir marquer peut-être un but en début de deuxième. Oui, alors que Samuel Saint-Amour est allé d'un coup derrière la tête du joueur des Nordiques, un coup un peu inutile après une belle mise en échec. Et il met son équipe dans l'embarras pour 2 minutes. Mise en jeu remportée par La Chapelle et on y va d'un dégagement, mais bloqué par Paiement. La passe de l'autre côté pour Quentin. Quentin laisse à Daou. Daou laisse à Quentin à la ligne bleue. À Paiement pour Rego. À Paiement à Daou. Daou la passe d'abord, le tir. Et c'est l'arrêt, le dégagement de voix, c'est récupéré par Paiement. Paiement la passe à Farmer. Bloqué par Coton. Et dans le coin, on se bat pour la rondelle. Bataille à 5, là, même 6. Et la rondelle qui est coincée, finalement, c'est récupéré par Alexandre Roy. On est très agressif là, en échec avant du côté des Nordiques. Et finalement, Landry qui effectue un dégagement qui sera bloqué par Mathieu Rigaud, qui laisse la rondelle dans le territoire adverse. Daou avec le disque. Daou qui va d'une passe, c'est trop long et c'est récupéré par Rigaud dans la zone neutre. Rego à Farmer, à Rego. Rego qui sort de son territoire patiemment. La passe à Mimo. Mimo. Et finalement, le dégagement d'Alexandre Roy de l'autre côté. Pagliarulo qui laisse la rondelle à son coéquipier Cédric Chouinard. Chouinard qui va sortir de son territoire avec une passe interceptée par Payan. Et la rondelle rebondit sur la palette de Chouinard qui laisse à Mimo. À Chouinard, là, on est dans le territoire central vers la zone offensive. La rondelle qui est récupérée par Vosniadez. Et le dégagement de ce dernier. Alors le boomerang là, qui a effectué quelques dégagements au cours de ce désavantage numérique. Entrée de territoire pour les Nordiques. Et finalement, c'est bloqué par Delisle dans le coin. On se bouscule là à 5. Et finalement, c'est Alexis Payard qui sort la rondelle pour Tristan Gagnon. 5 contre 5 maintenant. Une passe à Boulet. Et c'est récupéré par Mimo. De l'autre côté, et c'est Boulet qui sort de son territoire dans la zone offensive. Attention, Daguette qui tire, l'arrêt de Maguire. Alors une bonne percée à l'attaque pour la troupe de Chantipéry. Oui, alors que le jeu est revenu à 5 contre 5, une dernière attaque du côté des Nordiques. On tente encore de percer la muraille du Boomerang, mais rien à faire jusqu'à présent. Le match est très serré entre les deux équipes, comme nous l'avons mentionné en début de reportage. Mise en jeu entre Terrien et Jacob Pro. C'est remporté par Pro. Gagnon qui a le disque. Là, c'est dans le coin. Et c'est récupéré par Terrien qui l'envoie dans l'autre coin. À la gauche, oui. Et c'est le dégagement de l'autre côté. Saint-Surin maintenant, la passe. Et finalement,
C'est récupéré par Boutin. Tétro, pardon. Et du côté du Bouvrain, on tente de sortir la rondelle et finalement, ça reste. Et c'est Arnaud Chouinard qui laisse la rondelle dans le coin. Tristan Gagnon avec le disque, laisse. Mais trop long, c'est en direction de Green. Et Saint-Surin qui a intercepté. Pelletier qui récupère le disque. Attention, Gagnon qui récupère la rondelle. Gagnon, la passe devant. Et finalement, c'est bloqué. C'est récupéré par Jonathan Terrien. Terrien s'amène dans la zone offensive. Le tir de la jambière de Maguire. Et c'est récupéré par Jacob Pro. Attention, Tristan Gagnon qui s'amène à l'attaque. Gagnon. La passe à Pro. À Gagnon. Le tir, l'arrêt. Du gardien de Guillaume Rouleau. Derrière le but, dans le coin, le tir, ça rate la cible. Et finalement, les Nordiques qui sortent de leur territoire. Bonne percée à l'attaque pour Gagnon, Pro l'offensive là, du boomerang. On met de la pression sur Arnaud Chouinard, qui a fait une passe en direction de l'abbé, mais ça a intercepté au centre du territoire. On se bouscule et finalement, c'est récupéré par Guillaume Labbé, mise en échec de la belle. Et la rondelle se retrouve de l'autre côté. Dégagement non refusé par les juges de ligne. C'est Delisle qui a le disque et finalement c'est récupéré d'avant. Le tir, l'arrêt, un autre arrêt de Maguire. Et attention, là, on se chamaille. Les juges de ligne vont intervenir et c'est l'arrêt du jeu. Oui, c'est pas fini, Tristan. Oui. C'est loin d'être fini cette rencontre. Un peu de frustration qui sort, mais encore là. La partie est très serrée. Ce sera une mise en jeu à la gauche du gardien de but, Guillaume Maguire, qui effectue un bon travail ce soir oui. En remplacement de Jacob Delorme. Oui, tu viens de le dire, Jacob Delorme, qui est aux prises avec une blessure. Il est allé voir un thérapeute aujourd'hui, on n'en sait pas plus. Par contre, Guillaume Maguire, qui tient son équipe dans le match depuis absolument. La dernière minute. Alors, mise en jeu gagnée par le boomerang. C'est récupéré là dans le coin. Payan, la passe devant lui. Et c'est le dégagement. De l'autre côté, ça va être récupéré par Cédric Chouinard qui la passe à son coéquipier Mathieu Rego. Rego mise en échec. Il laisse la rondelle derrière lui à Chouinard. La foule qui se fait entendre là, ici à l'Arena de Sainte-Thérèse. La passe à Farmer. La rondelle est récupérée. Le dégagement de Daou. Entrée de territoire nébuleuse pour l'attaque des Nordiques et c'est hors-jeu. Alors du côté du boomerang, on a tenté une percée à l'attaque, mais sans succès au cours de cette séquence. La chapelle là-dedans avec Daou à la mise au jeu. C'est remporté par la chapelle. La rondelle est récupérée par Alexis Payan qui la passe à Francis Coton. C'est récupéré par Charles Farmer qui va d'un dégagement de l'autre côté. Alexis Payan maintenant. Payan, il va d'une passe, c'est intercepté par Quentin. La passe d'avance, c'est trop long. Et la rondelle est récupérée par le boomerang. La Coton qui tente de sortir. C'est fait. La rondelle est dans la zone 2. Ça se bouscule de la 4 et finalement. Daou qui récupère le 10, se profile à l'attaque. Daou qui va le tir, c'est bloqué par Roy. Farmer maintenant, à la ligne bleue. Quentin qui perd le 10. Attention, le Coton qui a récupéré. La passe à la forme. La forme s'amène. Tente une passe, c'est intercepté. Bien joué. Daou a échappé. Daou t'a fait tir. L'arrêt de Maguire. Belle récupération de rondelle de la part de Philippe Daou qui a percé la défensive du boomerang et c'est l'arrêt du gardien. Exactement, d'un côté comme de l'autre, deux chances de marquer. Mais celle de Philippe Daou qui. C'en est une bonne face au gardien, ouais. Mais encore une fois, Maguire qui a très bien réagi sur la séquence. On a fait trébucher un peu aussi du côté des défenseurs, va falloir faire attention à ça, mais les arbitres n'ont rien vu de répréhensible sur la séquence. Mise en jeu à la gauche du gardien, Maguire, il s'est remporté par les Nordiques. Attention, là c'est Arnaud Chouinard avec le disque qui va d'un tir, ça touche l'extérieur du filet, c'est récupéré à la ligne bleue. Le tir de Saint-Surin, c'est bloqué. Arnaud Chouinard qui a tenté de récupérer, mais ça a intercepté. Et finalement, Delisle qui va récupérer dans son territoire derrière le but. William Delisle maintenant, la passe à Vincent Détrault de l'autre côté. Saint-Amour qui s'amène. Saint-Amour derrière le but, la passe devant. Et finalement, c'est récupéré
par Arnaud Chouinard qui va d'une passe pour Gervais. Gervais, une passe devant. Ça a été intercepté par Vosdiadez. On tente de sortir du territoire. Et finalement, c'est fait pour le boomerang. Mais la rondelle est récupérée par Arnaud Chouinard. La 16 sur 1 qui va d'un dégagement. Et là, c'était Delisle qui était aux prises avec Guillaume Lavé devant le banc du Nordique. Alors, toujours 0 à 0 entre les deux équipes. On a droit à une rencontre très serrée. À la mise au jeu, c'est Benjamin Robert qui perd la mise au jeu face à Jacob Rowe. Alexis Payard qui a le disque, qui va d'une passe, c'est trop long pour Green. Pagliarulo là, qui récupère la rondelle, il va d'une passe, c'est récupéré par Rigaud. Rigaud, une passe devant lui, et finalement, on a tenté un dégagement du côté de Boulet, ça a touché au bas des punitions finalement, et c'est l'arrêt du jeu. Donc, mise en jeu à la droite du gardien de but, Pagliarulo. Jacob Rowe qui est à la mise en jeu. C'est remporté par ce dernier, mais finalement, les Nordiques s'amènent à l'attaque. Boulet, la passe à Chouinard derrière lui dans son territoire, à Rego. Une passe à Sicard, qui va d'une passe à Boulet. À Robert, pardon, qui a effectué un tir et c'est l'arrêt du gardien Maguire. Alors, une bonne percée à l'attaque pour l'équipe de Saint-Ferré là, sur la dernière séquence. Maguire qui garde son équipe dans le match, Olivier. Ouais, il reste très solide, mais il va falloir être prudent du côté du boomerang. Ça commence à faire beaucoup d'attaques répétées. Et il faudra commencer à être un peu plus agressif en offensive ou également du côté du boomerang. Et les attaquants du boomerang tendent à effectuer leur sortie de zone pour s'amener dans le territoire central. Alexandre Roy avec le disque qui va d'un dégagement, c'est récupéré par Mimo qui va une passe à Quentin derrière lui. Quentin avec le disque, il va d'une passe du revers, c'est dévié par Terrien, c'est récupéré par Maguire. Maguire une passe à son coéquipier Alexandre Roy. Roy en sortie de territoire à Samuel Payeur. Et finalement, c'est le dégagement des Nordiques. La bataille à trois pour la rondelle. Il s'est récupéré par Secours. Il écoute Labelle qui est là. Roy, Terrien, Malouani. Et finalement, c'est Darcy Malouani, un joueur de troisième année qui sort la rondelle de son territoire. Il va d'une passe de l'autre côté. Labelle avec le disque. Il va d'un tir. C'est l'arrêt. Et attention, là. Les deux joueurs là, qui sont. C'était Jordan Mimo là, qui n'a pas cessé de rudoyer son adversaire de l'autre côté, à la droite du gardien. Et je crois que c'est Samuel Payeur qui était aux prises avec Mimo. Si j'ai bien vu la séquence. Et effectivement, c'est Payeur qui est là. Et ce sera des punitions coïncidentes, Olivier. Donc, ça jouera en 5 contre 5 pour les, au cours de la prochaine séquence. Les deux joueurs qui sortiront du bas de punition dans 2 minutes à l'arrêt de jeu. La Chapelle face à Daou à la mise en jeu. C'est remporté par La Chapelle. Et la rondelle est récupérée par Alexis Payan qui va d'une passe à La Chapelle. Qui tente de se faufiler à l'attaque et s'est récupéré par Saint-Surin. Alors les deux joueurs chassés aux punitions, c'était pour Rudess. Arnaud Chouinard en Saint-Surin. Saint-Surin, il va d'une passe, c'est dans les patins d'un joueur du boomerang et finalement, c'est récupéré par Arnaud Chouinard qui s'amène à l'attaque. Il va d'un dégagement, c'est récupéré par Maguire. On y va. Et finalement, c'est la forme qui a le disque. La passe devant lui pour. Ouais, c'est ça, le dégagement du boomerang. Un autre dégagement du côté des Nordiques. Et ces dégagements refusés, on devra reprendre dans le territoire des Nordiques. Zachary Saint-Surin sur la dernière séquence qui a tenté de rejoindre son attaquant qui sortait de son banc. Mais celui-ci n'était pas prêt, malheureusement. On va reprendre à la droite du gardien des Nordiques. Alors, mise en jeu entre
entre Alex Vasquiades et Philippe Daou. Voilà, c'est remporté par le joueur du boomerang. Croix qui a le disque. La passe à Vasquiades. Vasquiades, il va d'une passe. C'est récupéré par Tétrou qui va d'un tir. C'est bloqué par Farmer. Tétrou laisse la rondelle dans le territoire. Et finalement, c'est récupéré par Saint-Amour qui effectue un tourniquet qui passe la rondelle à Gauthier. C'est récupéré par Saint-Surin. Saint-Surin, la passe à son coéquipier Chouinard, Arnaud Chouinard, qui va d'un dégagement dans le territoire central. C'est Roy. Et finalement, Saint-Amour qui récupère le tir. Saint-Amour s'amène à l'attaque dans le territoire. Les Nordiques tentent une passe derrière lui. Et finalement, c'est course pour la rondelle. Tétrou et Daguette. Daguette qui s'amène. Tire l'arrêt du gardien. Le tir de la bille. C'est un autre excellente séquence à la CAQ, à l'attaque, pardon, pour les Nordiques. On y va d'un tir, ça arrête la petite, un autre tir, la vue! Yann Daguette qui marque, c'est 1-0 pour les Nordiques. Une excellente séquence à l'attaque pour les Nordiques de Lionel Coux là-dessus, Olivier. Oui, du côté des arbitres, on croyait que la rondelle avait pénétré dans le filet après que le filet soit sorti de ses amarres, mais on est revenu sur notre décision. On a choisi d'accorder ce but finalement. Bon, et je retire ce que je viens de dire. On n'a pas accordé le but du côté des officiels. Alors, on va reprendre ça à la droite du gardien Guillaume McGuire. Alors, but refusé. Les arbitres sont revenus sur leur décision. Mise en jeu à la droite du gardien. C'est Robert qui remporte la mise au jeu. Récupéré par Cédric Chouinard. La passe à Sicard. Dégagement de l'autre côté. Et c'est récupéré par Daou qui va d'une passe à Chouinard. À la ligne bleue, le tir. C'est dévié dans le filet protecteur. Alors, du côté des Nordiques, on garde la rondelle dans le territoire du Boomerang. Ça leur donne un petit peu de momentum à l'attaque, là. Oui, à chaque fois, une équipe dangereuse comme celle des Nordiques, on va vouloir profiter de chaque seconde qu'on peut passer en zone offensive du boomerang. En zone défensive du boomerang, pardonnez-moi. Mise en jeu remportée encore une fois par le boomerang. Finalement, c'est récupéré par Delisle. La passe derrière lui à Landry. Et la séquence à l'attaque qui s'amène. Gagnon qui tire l'arrêt du gardien. Et Robert là, qui a tenté de bousculer un petit peu Gagnon, mais ça n'ira pas plus loin. Gagnon qui a effectué un tir, une bonne sortie de zone pour le boomerang sur la dernière séquence. Mise en jeu à la gauche du gardien Paquillan Rouleau. Mise en jeu opposant Robert qui a perdu cette mise en jeu finalement. Delisle avec le disque qui va dans le dégagement de l'autre côté. C'est récupéré par Cédric Chouinard. La passe à Sicard. Le Jesse Sicard, 2-1. Jesse Sicard tire, c'est bloqué par Landry. C'est récupéré par Boulet. Qui tire, c'est bloqué encore une fois. Trégo avec le disque. La passe à la ligne bleue. Cédric Chouinard, l'une autre. Et finalement, c'est récupéré par Jacob Rowe qui perd le disque. Et Gagnon qui sort la rondelle de son territoire. C'est récupéré par Chouinard qui va d'un dégagement. C'est bloqué, bien fait de la part de Lille qui dégage de l'autre côté. Et on applique des changements du côté du boomerang. Trégo qui sort. Qui tente une passe à Boulet qui dégage de l'autre côté. C'était rien. Qui a la rondelle et finalement c'est récupéré par Payeur qui va d'une passe rapidement. Mimo, la passe d'avant, du revers, le but! 1-0 pour les Nordiques, premièrement qui coûte cher de la part de Samuel Payeur. Les Nordiques qui prennent les passes 1-0 suite à un revirement de Samuel Payeur. Excellente à l'attaque! Excellente! Alors, dégagement là, des Nordiques. C'est récupéré à la ligne bleue. Tir de Mimo, c'est l'arrêt de Maguire. Et finalement, c'est récupéré par Samuel Payeur qui va d'une passe à la belle. A été marqué par Jonathan Terrien. Alors c'est Vincent Tétrou qui a le disque. La passe à Payan à sa droite. Qui va une passe de l'autre côté. À la belle qui s'amène à l'attaque. La belle, une passe avant. C'est trop long.
Et finalement, c'est Secours Calotis qui va de l'engagement et on applique des changements du côté de Charles Dupéré. La passe a intercepté à la zone neutre. C'est récupéré par Farmer. Et attention, la Payeur qui s'amène à l'attaque. Payeur qui tire. L'arrêt du gardien. Le rebond s'amène à la droite. Et c'est récupéré par Quentin. Il passe intercepté par Payeur. Le tir s'arrête la cible. Et punition imminente. Pas de punition, pardon. Daou Calotis qui attend patiemment derrière son but. Qui laisse à Mimo, à Daou. À Daou maintenant qui dégage de l'autre côté. Ça va être récupéré par Payan. Une passe à Coton. Et c'est Saint-Surin Calotis tire dévié dans le filet protecteur. Ça n'ira pas plus loin. Alors là, du côté du boomerang, on tente à menacer offensivement. Il faut trouver des solutions pour percer l'excellente défensive des Nordiques depuis le début du match là, qui ne donne pas grand-chose à la troupe d'Alexandre Donneau, Olivier. Oui, il faudra que les gros canons du boomerang se réveillent, les Jacob Bro, les William Delisle. Et ainsi Tristan qu'il... Gagnon aussi. Oui, exactement, mais ils connaissent un très bon match. Je suis certain que c'est une question de temps avant qu'on se réveille du côté du boomerang. Alors la rondelle est récupérée par Arnaud Chouinard qui sort de son territoire. Chouinard, c'est intercepté par Gauthier. Attention, Vosniadez qui s'amène à l'attaque. Mais perd le disque, excellent repli défensif de Guillaume Labbé. La rondelle est récupérée par Saint-Amour dans la zone neutre. Vosniadez qui dégage dans la zone neutre. C'est récupéré par Chouinard qui laisse à Saint-Surin à Doggett. Doggett qui finalement laisse à Chouinard derrière lui. Arnaud Chouinard, défenseur des Nordiques qui attend derrière son filet. Chouinard attend patiemment et sort maintenant de son territoire. Dans la zone neutre, tente de faufiler, de se faufiler à l'attaque. Il va d'un dégagement, ça va être récupéré par Green derrière. Michael Green perd le disque. Attention, là, ça aurait pu être dangereux là-dessus. Mais finalement, on y va d'un dégagement. C'est défié dans les estrades. Michael Green là, qui a perdu la rondelle sur cette séquence, ça aurait pu être dangereux pour la troupe d'Alexandre Arnaud, Olivier. Oui, un des nombreux revirements auxquels on a eu droit depuis le début de cette deuxième période. On ne semble pas totalement confiant du côté du boomerang en zone défensive. Il faudra essayer de concrétiser en zone offensive pour pallier à cette faille. Alors, mise en jeu entre Benjamin Robert et Jacob Bro, c'est remporté par Bro. Tétro qui a la rondelle. Tétro, la passe à Tristan Gagnon. De l'autre côté, à Delisle qui va d'une passe interceptée. Attention, Poulet qui s'amène. Mais Delisle qui se replie bien finalement. Tétro qui va d'une passe à Gagnon. C'est intercepté par Cédric Chouinard. Et Delisle qui récupère le disque, la passe devant lui. Et c'est récupéré par Mathieu Rigaud. Une passe qui est maintenant dans la zone neutre. Tétro qui va d'une passe de l'autre côté. Ça devient un dégagement. Un tir au but. Immobilisation du disque de la part du gardien Paglia Rouleau. Alors, pas grande menace offensive et la défensive des Nordiques qui se porte très bien depuis le début de la rencontre. Il faut se le dire, du côté de l'attaque de Lionel Kou, on provoque des revirements causés par les défenseurs et les joueurs du boomerang. Oui, exactement. On se tire un peu dans le pied du côté d'André Laurendeau depuis le début de la deuxième. Et... Alexandre Roy qui tire, là, c'était bloqué. Il récupère la rondelle. Il va d'un tir, l'arrêt du gardien. Alors, on garde la rondelle dans le territoire. Et là, il y a un joueur qui a tenté d'échanger des mots avec Payeur au cours de cet arrêt de jeu, mais ça n'ira pas plus loin. Roy qui a effectué un tir là-dessus. Du côté des Nordiques, la stratégie sera simple. Face à une équipe comme André Laurendeau, qui ne marque pas beaucoup de buts, qui n'en accorde pas non plus énormément, avec un tel score, il faudra simplement garder l'avance du côté des Nordiques. Alors, dégagement du joueur Jordan Mimo, et finalement, ça a été dévié à l'extérieur de la patinoire. Donc là, la mise en jeu sera à la gauche du gardien Paglia Rouleau. Qu'est-ce qu'il faut faire du côté du boomerang là, pour percer la défensive de Lionel Kou? Ben, c'est simple. Avec le désavantage numérique des Nordiques, il faudra en profiter du côté du boomerang quand les occasions vont se présenter. On a eu des belles présences en surnombre du côté... Alors là, c'est un tir
qui a été effectué par Vosniadez. Et la rondelle a été immobilisée par la gardienne Pagliarulo. Alors, ça sera une mise en jeu à sa droite. Du côté d'Alexandre Deneau, on va voir Darcy Malouani, Nicolas Landry, William Delisle, Samuel Payeur et Guillaume Labelle. Payeur qui sera opposé à Deneau à la mise en jeu. La rondelle est déposée et le jeu reprend. La rondelle est récupérée au centre de la patinoire. Là. On applique une mise en échec. Et la rondelle est récupérée par Labelle. Attention, là, c'est Malouani qui a le disque. Malouani, la passe de l'autre côté derrière lui. Finalement, c'est intercepté par Daou qui se faufile à l'attaque. Et finalement, bien joué de la part d'André Laurando. Et punition appelée par les officiels contre Philippe Daou. Son bâton est levé et il ne semble pas d'accord avec la décision de l'officiel. Oui, il semble avoir tenté de soulever le bâton du défenseur Delisle du côté du boomerang. Mais malheureusement, je crois qu'il a manqué la cible et qu'il a finalement atteint son casque. Il est en désaccord, évidemment, avec la décision des officiels, mais il sera pour un deuxième passage au banc des punitions dans ce match. Et un peu plus tôt, tu mentionnais qu'il faudra profiter d'un désavantage numérique des Nordiques. En voilà une occasion. Alexandre Roy qui a la rondelle maintenant. Roy, la passe à Green, à Pro qui tire l'arrêt du gardien, le retour, et finalement, il n'y en a pas. Saint-Surin là, qui tentait d'échanger des mots avec un joueur du boomerang, mais ça n'ira pas plus loin. On voit un changement dans la stratégie du boomerang. On place un joueur devant le gardien Pagliarulo afin de tenter de nuire à celui-ci. Sur la dernière séquence, Tristan Gagnon qui fait très bien son travail, mais le défenseur des Nordiques également. Alors, mise en jeu gagnée, le tir, c'est l'arrêt. Et finalement, c'est récupéré par Michael Green. Green avec le disque. La passe d'abord, le tir. L'arrêt du gardien. Une belle pièce de jeu là, créée avec Green et Jacob Pro, si je ne me trompe pas, dans le territoire offensif. Oui, le gardien Pagliarulo qui a perdu cette rondelle de but pendant quelques instants, mais a réussi à la situer à côté de sa jambière afin d'immobiliser le jeu. Alors, ça sera mis en jeu à la droite du gardien Pagliarulo. Green à la mise en jeu et il remporte la rondelle. C'est Bro qui a le disque, aux prises avec un joueur des Nordiques, et finalement, c'est Landry qui a le disque. Landry, la passe à Roy. Roy qui va d'un tir, c'est dévié dans le filet protecteur par le bâton de Daguette ou de Quentin. Là. Alors la rondelle demeure dans le territoire des Nordiques. Du côté du boomerang, il faut tenter de créer des occasions. Du côté Olivier, du côté... Et voilà, du côté de l'avantage numérique, il reste 3 minutes à la période. Mise en jeu gagnée par Gagnon. Et finalement, c'est le dégagement dans la zone 2. Landry qui récupère le disque à Bro. Bro la passe à Gagnon qui s'amène à l'attaque. Gagnon à Roy derrière lui. Roy, toujours en contrôle du disque. La passe à Landry. À Roy. Roy, il va du revers. Dans son coéquipier Green qui va d'une passe, mais ça a intercepté. Dégagement des Nordiques. Excellente séquence en désavantage numérique et on applique les changements du côté du boomerang. Alexandre Roy là, qui attend son équipe et avec Malouani, Payan et Gauthier qui sont sur la patinoire pour la troupe de. Pardon? OK. Il reste peu de secondes à l'avantage numérique là. C'est récupéré par. Farmer qui laisse derrière lui. C'est Robert qui a le disque dans la zone neutre maintenant. La passe à Farmer. Farmer qui s'amène dans la zone offensive. Farmer qui s'amène. Tentait peut-être une passe, mais il était bien couvert là, par Payan. Mimo maintenant. Toujours en contrôle du disque. La passe à Saint-Surin à la ligne bleue. Et finalement, ça va être récupéré par Alexis Payan. Payan laisse le disque à Malouani. Malouani perd le disque des mains de Benjamin Robert qui s'amène à l'attaque. Robert maintenant tire l'arrêt du gardien Maguire. Alors, encore une autre rondelle perdue en milieu de en territoire central pour le boomerang. Oui, on voit quatre joueurs se porter à l'offensive à chaque sortie de zone. Et c'est très risqué dans une situation de jeu
comme celle-ci, mais écoute Tristan, on cherche simplement à aller chercher un but du côté de Hollande. Alors mise en jeu à la gauche du gardien but Maguire. Daou qui remporte la mise en jeu, le tir, l'arrêt de Maguire et pas de retour. Ce fut un tir de Charles-Antoine Paiement. Donc nous sommes proches de la fin de la deuxième période. Toujours 1-0 pour la troupe de Charles Dupéré. L'Ovio. Mise en jeu remportée par La Chapelle. Derrière le but. On y va d'une passe de l'autre côté. C'est intercepté par Chouinard qui tire dévié par Farmer devant. Et Maguire qui attrape la rondelle pour immobiliser celle-ci. Donc là, du côté du Boubrec pour faire attention dans son propre territoire actuellement. Là. Ouais, mais si on se fie à la performance du gardien Guillaume Maguire, on peut se permettre de se porter un peu plus souvent à l'attaque du côté du Boubrec. Et temps d'arrêt demandé par l'entraîneur-chef Charles Dupéré du côté des Nordiques de Lionel Groulx. Alors, l'entraîneur-chef Alexandre Deneau qui est en caucus avec ses joueurs. De même, de l'autre côté, du côté des Nordiques. Oui, Alexandre Dandeneau qui ne veut pas perdre de temps, même en fin de deuxième période, veut chercher absolument à aller chercher ce but égalisateur. Ça ferait tellement la différence, Tristan, on le sait. Un but en fin de période peut changer le momentum d'un match. Et toutes les occasions, autant d'un côté comme de l'autre, sont précieuses, surtout que nous sommes actuellement en série finale là, de la Ligue de hockey collégiale du Québec. Alors, ça sera une mise en jeu à la droite de Guillaume Maguire. Tristan Gagnon face à Philippe Daou, c'est remporté par Gagnon. La rondelle est récupérée par Michael Green. Avec Daou qui le suivait, et finalement c'est récupéré par Cédric Chouinard. Chouinard, il va une passe dernière minute de jeu de cette deuxième période. Donc, Bruno Quentin qui a le disque, et finalement c'est récupéré par Robert, qui laisse à Daou. Quentin, la foule rouspète, qui passe. Et finalement, une punition a été appelée pour avoir peut faire mal. Oui, après avoir demandé son temps d'arrêt, Alexandre Dandeneau qui voit sa formation qui devra débuter en désavantage numérique pour la troisième période. Mais il reste encore quelques secondes à faire en cette deuxième distance. C'est une punition contre William Delisle, le capitaine du Boomerang, pour avoir fait trébucher. C'est Gervais à la mise en jeu qui la perd. Roy qui va de passe à Gervais. Le passeur se va sortir en arrêt. Superbe test de jeu à l'attaque du côté des Nordiques. Paglia Roulon maintenant qui a le disque. Qui laisse. Alors, Jordan Mimo. On y va en entrée de territoire là, du côté des Nordiques. On tente de... C'est Mimo. À Chouinard à Mimo. Mimo, il va d'une passe d'avant. Le tir, ça touche l'extérieur du filet. Et Chouinard qui a la rondelle maintenant, c'est intercepté par Alexis Payard. Payard, il va d'une passe à Bosniadez, mais c'est trop long. Et ça coïncide avec la fin de la première période. De la deuxième période, pardon. Après 40 minutes de jeu, les Nordiques de Lionel Groulx mènent 1-0. Mesdames et Messieurs, le compte de service de VAR est à votre disposition. C'est au niveau de la patinoire, plus près de l'entrée principale. Un service de VAR est à votre disposition. Aussi, l'organisation de la partie que tu as réussi à venir vous invite ce soir à se faire très bien. Au carrefour étudiant, tu as réussi à venir nous. Et puis, dans l'entrée pour les adultes de 20 $, les étudiants, $15 pour se faire de Karine Moinette et Pierre Manu. Thank you.
Mesdames et messieurs, nous rappelons que le service de bar est à votre disposition, situé au niveau de la patinoire, plus près de l'entrée principale. Le service de bar est à votre disposition. Merci. Thank you.
Arena de Sainte-Thérèse pour la présentation de la troisième période de cette première rencontre de la série entre les Nordiques de Lionel Fou et le Boomerang qui s'échappe André Landau. Olivier, les Nordiques profiteront d'un avantage numérique de 1 minute 18. Pour ce zip, hein, c'est une belle occasion pour eux de pouvoir peut-être doubler leur avance. Oui, il faudra toutefois battre le gardien du côté des Nordiques. On vous a parlé un peu. Oui, exactement. Oui, Guillaume Maguire qui, on vous l'a dit un peu plus tôt, il n'a pas joué de match depuis le début des séries, toutefois cette saison. Il a quand même joué 16 parties. Il a eu, lors de ses 16 parties, il a eu 8 victoires, 5 défaites en temps réglementaire. Donc, ça reste une belle présence devant le filet pour le Boomerang. Et ce soir, il n'a rien à se reprocher. Alors, la mise en jeu a été reportée par les Nordiques. Mimo, maintenant, qui laisse la rondelle à Chouinard. Cédric Chouinard qui a la rondelle. La passe, c'est trop long. Et finalement, la passe de balle, ça rate la cible. Chouinard avec le disque. Chouinard à la ligne bleue, la passe à Mimo. Mimo, permutation, la passe à Chouinard. Chouinard s'amène, la passe de balle, le tir, ça rate la cible. Dans le coin maintenant, on y va d'un dégagement du côté du Boomerang. Alors que Pagliarulo récupère le disque. Et c'est Mimo qui a la rondelle à Cédric Chouinard. Chouinard, la passe d'avant. C'est récupéré par Robert. Boulet qui a la rondelle. Boulet qui a effectué un tir, c'est l'arrêt. Derrière le but maintenant, c'est Doggett. La passe d'avant, Chouinard, un tir dévié, ça rate la cible, Payard qui effectue un dégagement, mais bloqué à la ligne bleue. Chouinard qui a la rondelle maintenant, il va d'une feinte. Chouinard a le disque, la passe dans le coin. La passe d'avant, le tir, et c'est bloqué. Chouinard qui récupère le disque, tente de garder la rondelle dans le territoire adverse, et finalement c'est récupéré par Nicolas Gervais qui effectue un dégagement à l'autre bout. Alexandre Roy maintenant qui a le disque. Roy tente une passe et finalement c'est récupéré par Payan à Roy. Devant lui pour Michael Green. Green avec Gagnon. Gagnon maintenant qui s'amène, tente une passe d'abord. Il n'y avait personne et la rondelle est récupérée par Charles-Antoine Paiement. Paiement s'amène dans le territoire offensif. Il y aura une punition contre le Boomerang. Une punition là, un repli défensif du côté de la troupe d'Alexandre Dandeneau. Et ça sera un avantage numérique pour les Nordiques. Il ne faut pas commencer à tomber dans l'indiscipline du côté du Boomerang, surtout à un moment aussi crucial dans ce match, en début de troisième période. C'est pas le moment de se mettre dans le trou. Et c'est le capitaine qui écope de cette punition. Alors, ça sera un avantage numérique. Alors que Philippe Daou, Mathieu Récault, Clément, Quentin et Farmer sont sur la patinoire pour la troupe de Charles Dupéré. Mise en jeu à la gauche du gardien, c'est reporté par les Nordiques. Paiement à la rondelle, la passe à Régaud, la passe à Farmer qui va d'un tir, ça rate la cible. Le Boomerang qui tente un dégagement sans savoir à l'autre bout. Alors que le gardien Pagliarulo va laisser la rondelle à son coéquipier Régaud. Mathieu Régaud qui s'amène dans le territoire central à Daou. Daou s'amène. Il va d'un dégagement. Alors qu'on est dans le coin, une bataille pour le disque et finalement un dégagement du côté du Boomerang qui se porte bien depuis le début de ce désavantage numérique. Farmer s'amène dans le territoire offensif là avec Daou. Daou qui se faufile dans le coin. Il va d'une passe à Farmer, à la ligne bleue. Régaud maintenant. Régaud la passe à Farmer, à Quentin qui va d'un tir, c'est bloqué. Bien fait de la part de Gab Labelle. Et c'est un dégagement, changement apporté pour la troupe d'Alexandre Dandeneau. Et de même, de l'autre côté, pour Charles Duferré. Alors que Quentin qui laisse la rondelle à Chouinard, à Farmer. Farmer de l'autre côté, c'est trop long. Et La Chapelle va récupérer le disque. Et c'est dévié sur le patin du juge de ligne. Et finalement, on sort du côté du Boomerang. Là. On y va d'une passe d'avance. C'était Payan avec Coton là, qui ont tenté, mais ça n'a pas fonctionné. Sortie de zone pour les Nordiques. On s'amène dans le territoire offensif. Là. Le dégagement de l'autre côté, Tétrault qui va recevoir la rondelle. Il va d'un dégagement à l'autre bout.
Donc, pas grande menace offensive et bon travail là, du côté du boomerang en désavantage numérique. Et là, on est allé d'une mise en échec, croque en jambe, mais l'entraîneur n'est pas d'accord. Payard avec le disque. Payard, la passe avant, et c'est l'arrêt. C'est récupéré par Tétro le long de la bande. Et finalement, la rondelle est dans la zone neutre. On joue à 55. William Delisle est de retour sur la patinoire. Arnaud Chouinard maintenant, Delisle qui gagne sa bataille pour le disque. Delisle toujours en contrôle du disque, il va d'un dégagement et la rondelle se retrouve dans la mi-tête du gardien. Et attention, ça n'ira pas plus loin. Alors, du côté du boomerang, on s'est très bien défendu en désavantage numérique. Oui, on s'est très bien défendu. On a semblé resserrer la défensive un peu plus, surtout dans l'enclave. On garde mieux notre position. J'aimerais attirer l'attention sur Samuel Payard. Oui. La dernière mise en échec semblait accidentelle. Pourquoi ça, Yann Doggett a semblé incommodé suite au contact. Il restera à voir si, s'il y aura des répercussions du côté de l'attaquant du boomerang. Alors, Nicolas Landry, là, qui est à la poursuite de la rondelle avec la belle, avec l'abbé, pardon. Et finalement, c'est Roy qui a la rondelle. Roy, il va d'une feinte, sort de son territoire. La passe à Payard, mais hors jeu! Contre le boomerang, on a tenté une longue passe de la zone défensive vers la zone offensive. Et l'entrée de territoire qui n'a pas fonctionné. Une très belle décision de l'arbitre également. On était très bien positionnés pour le voir également. C'était très serré comme jeu. On a rendu la bonne décision. Et Alexandre Roy, qui a quand même connu une excellente saison cette année, faisant partie de la deuxième équipe d'étoiles du réseau sport étudiant du Québec. Chouinard qui tire, l'arrêt du gardien, le retour devant, et finalement le boomerang qui récupère. On y va de dégagement dans le territoire central, et c'est Mathieu Récault qui l'envoie de l'autre côté, et c'est Alexandre Roy qui a la rondelle. Croix perd le disque, attention, la passe devant, l'arrêt dans le but! La rondelle qui a passé entre les jambières du gardien Maguire suite à un revirement d'Alexandre Roy. Encore une fois, l'histoire du match, les revirements en zone défensive du côté du boomerang. Ça vient encore de leur coûter. Ce but risque de faire très mal à la troupe d'Alexandre Denault. C'est Guillaume Labbé qui a marqué le but pour doubler l'avance pour l'équipe de Charles Dupéré. Alors là, du côté du boomerang, il faudra trouver le moyen de partir l'attaque de la bonne façon. Et ça ne sera pas facile. Oui, pour partir l'attaque, il faut commencer par partir une sortie de zone. Et c'est ça. Ça a été le point tournant dans la rencontre. Ouais, absolument. On a énormément de difficultés à sortir de la zone en possession de la rondelle. Alors, c'est Sacour qui a dégagé la rondelle vers Pelletier. Et Bro qui rentre dans le territoire adverse. Bro envoie la rondelle dans le coin. Et c'est Michael Green, la passe d'abord, le tir. L'arrêt du gardien. À la ligne bleue maintenant, Denis, la passe de l'autre côté, mais la rondelle qui a sorti du territoire lors de la passe du capitaine William Delisle. Je crois en fait que le but s'est déplacé et sorti de ses amarres en fait, encore une fois, depuis le début de la rencontre. On a vu ça à plusieurs reprises. Alors, mise en jeu à la droite du gardien. Carmine Anthony Pagliarulo. Mise en jeu opposant Jacob Roux à Philippe Daou. Mise en jeu remportée par Brault. La rondelle est récupérée par Payard à Gagnon. Gagnon qui perd le disque et finalement c'est récupéré par les Nordiques. Sortie de territoire de Philippe Daou qui passe à Farber. Farber de l'autre côté tente de se profiler à l'attaque. Et finalement, Maguire qui se samitelle sur la rondelle pour immobiliser cette dernière et c'est l'arrêt du jeu. Donc, mise en jeu à la droite du gardien de but du boomerang, ce Jean-André Laurando. Mise en jeu opposant Daou à Vosnia, à Bro, pardon. À Vosnianès, finalement. La sortie de territoire là, de Samuel Saint-Amour, qui l'envoie de l'autre côté. C'est trop long et ça sera refusé alors que Mimo a touché la rondelle. Les gars, du côté du boomerang, il faut trouver le moyen de pouvoir sortir du territoire. Ça a été difficile tout au long du match. Oui, exactement. Ça a coûté deux buts jusqu'à présent.
Et c'est la première passe qui est importante. Et ouais. C'est cette dernière qui cause le plus de difficultés au boomerang. Faut simplement tenter de garder les choses le plus simple possible. Il faut se dire que l'échec avant de l'équipe de Charles Dupéré fait la différence là, dans la zone neutre. La rondelle se retrouve derrière le but. Là. Le boomerang qui tente de sortir de son territoire. On y va d'une longue passe. C'était pour Saint-Amour, mais c'est dévié dans le coin. Saint-Amour récupère le 10. Non! Finalement, c'est Bruno Quentin. Quentin a le 10, la passe. En paiement. La rondelle se retrouve derrière le but et on appelle une punition pour bâton élevé. Et si on se dit bien dans la séquence, là, ce sera contre le boomerang. C'est Vincent Nétro qui est chassé pour avoir porté son bâton trop. Oui, tu as bien vu, ça semblait totalement accidentel. Malgré tout, il savait quelle punition lui était décernée. Ne dis pas un mot et le boomerang devra se défendre à 5 contre 4. Et c'est un moment clé du match là quand même, alors que les Nordiques mènent 2 à 0. La rondelle se retrouve derrière le but, le dégagement, c'est bloqué. À la ligne bleue, c'est récupéré par Boulet. La passe. La passe. C'est Nimo qui a le disque. La passe à Cédric Chouinard. Chouinard a le disque. De l'autre côté, à Boulet. Boulet qui va d'une fête. Tire. Ça frappe la baie vitrée en arrière du but de Guillaume Maguire. Et on se bat pour la rondelle et finalement sortie de territoire. Pour le boomerang, attention, Francis Coton qui s'amène, mais perd le disque, récupère, bel effort là, de Francis Coton, pour avoir tenté là, de garder la rondelle dans le territoire adverse. Et on y va d'un dégagement du côté des Nordiques. Dégagement du côté du boomerang, on a fait des changements d'un bord et de l'autre. Alors que c'est Bruno Quentin qui a le disque. Là, c'est à Mathieu Rigaud. Rigaud, gêné par Payeur. Attention, Payeur, ça vient d'en échapper. Samuel Payeur, Samuel la fête. Il rate la cible. Et finalement, la rondelle a rebondi d'avant. Mais belle pièce de jeu, là. Suite à un revirement, Samuel Payeur qui a été récupéré cette rondelle dans le territoire central. Oui, exactement. Samuel Payeur qui connaît un très fort match. Et encore une fois, des avantages numériques en plus. A failli ouvrir la marque du côté de son équipe. Alors, mise en jeu à la gauche du gardien, oui. Philippe Daou qui remporte la mise en jeu. Et la rondelle est récupérée par Quentin qui laisse à Paiement. Paiement laisse derrière lui à Rego pour Farmer qui s'amène dans la zone offensive. Farmer laisse à Daou de l'autre côté pour Rego. La passe à Paiement. Paiement, une passe à Daou. À Rego. La passe. À Quentin. La passe devant. Du revers. Et c'est bloqué. Et Vosniadez qui effectue le dégagement. Donc, on a bien resserré la défensive au cours de ce désavantage numérique sur cette séquence, en fait. Oui, mais on voit encore toute la puissance offensive de Bruno Quentin. Encore une fois, il vient d'entrer en territoire du boomerang. Quel défenseur incroyable du côté des Nordiques. Lui qui a joué pour les Foreurs de Val-d'Or dans la Ligue junior majeure du Québec. Quentin, là, qui laisse la rondelle devant pour Paiement. Paiement, la passe devant. Attention, le Farber qui se met la passe devant. Le rebond, l'arrêt. Non, il a raté la cible finalement. Mais le tir, et finalement, c'est la sortie de territoire. On a tenté une passe du côté de la Belle. Et ça s'est retrouvé dans les patins d'un joueur, Labbé, qui effectue une entrée de zone gênée par trois joueurs du boomerang. Et finalement, c'est Tristan Gagnon là, qui effectue le dégagement de l'autre côté. Saint-Surin laisse la rondelle à Quentin. Quentin, il va d'un dégagement. C'est récupéré au centre par Delisle. À Saint-Surin, qui laisse à Quentin. Derrière lui, finalement, c'est Green là, qui va récupérer la rondelle. Il va une basse et c'est intercepté par Saint-Surin. La passe avant! Et tire! Jacob Roux, ça aurait pu être une bonne occasion de marquer là, du côté du boomerang. Il n'aurait pas pu avoir de meilleure chance de marquer. Il était complètement seul devant le gardien. Et cette rondelle qui a semblé collée sur sa palette et est allée directement dans le filet protecteur. Alors, c'est toujours 2 à 0 pour la troupe de Charles Dupéré. Alors qu'on est au premier match de la finale de la Ligue de hockey collégial du Québec.
Sigor qui a le disque. Roy maintenant. La passe à Green. Green, il va d'une passe à intercepter. Et finalement, c'est récupéré par Jesse Sigor qui tire, c'est bloqué. Et la rondelle se retrouve dans le coin maintenant. Jesse Sigor avec le disque. Contourne le filet. Sigor, il va d'une passe. C'est récupéré par Guillaume Labbé qui connaît un fort match aujourd'hui. L'attaquant des Nordiques de Lionel Groulx. Et la rondelle se retrouve dans la zone neutre. Là, c'est Robert qui effectue une passe à Arnaud Chouinard. Chouinard qui se faufile là, à l'attaque vers la zone offensive. Il va d'un tir, c'est dévié dans le filet protecteur. Alors il reste 10 minutes à la troisième période. Toujours 2-0 pour les Nordiques de Lionel Groulx. Suite à cet avantage numérique du côté des Nordiques, on semble jouer un peu plus sur les talons et ainsi protéger l'avance qu'on a actuellement, surtout avec le blanchissage que le gardien pourrait obtenir. Alors là, c'est récupéré par Mimo. Une passe interceptée au centre, c'est Labelle qui touche. Et Mimo qui récupère la rondelle. La poule qui se fait entendre dans l'aréna de Sainte-Thérèse. Toujours 2-0. Mimo maintenant, avec le 10. Mimo attend que son équipe s'installe pour une sortie de zone, suivi par Malouani derrière lui avec Payeur. Mimo là qui perd le disque, attention, le Payeur qui tente une passe, mais intercepté. Et c'est un dégagement à l'autre bout. Delisle là qui va récupérer la rondelle avec secours derrière lui. Et c'était rien qu'à le disque. Secours maintenant, une bataille à trois derrière le but. Et finalement, la rondelle va être récupérée par Alexis Payan. On y va d'une passe en territoire central, c'est dévié à l'autre bout. Guillaume Labelle qui récupère la rondelle. Labelle avec le disque, il va d'une passe, c'est bloqué par Secours. Labelle dans le coin. Finalement, c'est récupéré par Alexis Payan qui laisse à Landry. Landry qui effectue un tir, c'est bloqué. On y va d'une passe de l'autre côté, ça rate la cible pour un tir. Et derrière le but maintenant, Labelle. Et punition là, contre les Nordiques. Il ne peut pas avoir une meilleure occasion pour le boomerang là, pour revenir dans le match avec un tel avantage numérique. En effet, un rare avantage numérique pour le boomerang dans cette rencontre. Eux qui ont passé la majorité de la rencontre. Territoire. Oui, exactement. Soit cela ou au banc des punitions. Mais il faudra réussir à concrétiser cet avantage numérique. Alors, du côté du boomerang, il y a Gagnon, Green, Pro, Roy et Landry sur la patinoire pour l'attaque à 5. Landry qui a la rondelle. Landry, la passe à Roy, à la ligne bleue. À Landry. Landry, à Roy, qui perd le disque, mais la passe à Gagnon. Gagnon qui tire, l'arrêt du gardien. La rondelle est récupérée par Gagnon qui a tenté un tir et finalement, le pied défensif. La rondelle est récupérée par Doggett. Doggett, là, il va avoir une punition contre Tristan Gagnon. Et voilà, c'est appelé par l'officiel. Donc, Tristan Gagnon, là, qui gâche l'occasion d'un avantage numérique, ça sera 4 contre 4. Et on retourne aussitôt à égalité numérique du côté des deux équipes. Ça a été l'histoire de cette rencontre. Un revirement encore une fois et une bonne pénalité de poids sur la séquence du côté du joueur d'André Laurando. Une punition sur un repli défensif. Il n'avait d'autre choix que d'accrocher le joueur. Prégo maintenant, avec la rondelle. Prégo, une passe derrière lui à Farmer. La passe à Chouinard. Chouinard, la passe à Daou. À Chouinard maintenant. Chouinard s'amène dans le territoire offensif. Le tir, et c'est l'arrêt du gardien Guillaume Maguire, qui connaît un très bon match ce soir. Qui tente du mieux possible de faire le travail en remplacement du gardien de but numéro 1, Jacob Delorme. Oui, depuis le début de la troisième, on essaie de faciliter son travail du côté des défenseurs. Encore une fois, un tir qu'il voyait tout au long de sa trajectoire. Alors, sortie de zone pour le boomerang. Là, on s'amène dans le territoire offensif. Deux contre un. On y va d'une passe. Devant l'arrêt, le retour. C'est bloqué. Quel bloc de Philippe Daou qui a empêché le boomerang de marquer un but. Delisle avec le disque. La passe à la ligne bleue, pour Gostiades, qui va d'une feinte. La passe à Payeur, à Gostiades, laisse la rondelle derrière lui, et finalement, Rico qui intervient, bataille à 4 pour la rondelle, 5, et finalement, Farmer qui gagne la rondelle, il va d'un dégagement, et la rondelle sort sur la palette de Delisle, qui l'envoie à Payeur.
Coton maintenant, Francis Coton, qui s'amène par le disque et hors jeu contre le boomerang. C'est une occasion de marquer. Et quel bloc de Philippe Daoud là-dessus. Il vient de. Il a empêché le boomerang de marquer un but. Non seulement il est talentueux, il a une excellente vision de jeu. Philippe Daoud sur la dernière séquence qui est allé d'un plongeon magistral pour sauver son gardien de cette situation et ainsi garder son blanc sale. Alors, c'est toujours 2-0 pour les Nordiques. Labbé qui fait face à La Chapelle à la mise en jeu. La mise en jeu est remportée par Labbé qui l'envoie à Quentin. Quentin maintenant, qui entend son équipe. Qui entend que ses coéquipiers s'installent pour la sortie de zone. Il va d'une première passe à Guillaume Labbé. Labbé, il va d'une passe derrière lui à Quentin qui s'amène. Il se faufile. Quel talent il a, Bruno Quentin, pour pouvoir se faufiler à l'attaque comme ça. Un excellent coup de patin. Exactement, et là c'est Mimo qui récupère la rondelle, dégagement refusé. Et on ne semble pas d'accord là, du côté du boomerang, Olivier. On fait savoir notre mécontentement du côté du boomerang. Alors, on n'a pas apprécié la dernière décision d'officiel. Alors qu'il reste 7 minutes à compléter à la troisième période. Toujours 2-0 pour la troupe de Charles Dupéré. Alors que c'est La Chapelle à la mise en jeu, il remporte la rondelle et elle se retrouve derrière le but. C'est Roy qui la passe pour La Chapelle, qui l'envoie vers Coton, mais intercepté par Mimo, qui l'envoie à Quentin, à Mimo derrière lui. Mimo s'amène dans le territoire offensif maintenant. Se faufile, Mimo, il va d'une passe devant, c'est dévié sur le patin de Coton et c'est récupéré par... par Mimo à la ligne bleue. De l'autre côté à Saint-Surin. La passe à Boulet. Qui va une passe et finalement c'est récupéré par le boomerang qui sort enfin de son territoire. Et là, c'est Gaillon, qui a effectué un tir. C'est l'arrêt du gardien Chouinard là, qui va d'un dégagement à l'autre bout. De l'autre côté, c'est... Le boomerang qui sort de son territoire, Boulet là, qui empêche l'entrée de territoire du boomerang. Et c'est récupéré par Jonathan Terrien qui a marqué le premier but du boomerang, des Nordiques pardon, ce soir. Alors, c'est Delisle qui sort de son territoire. Une passe interceptée par Secours qui va d'un dégagement derrière le but de Maguire. Payeur maintenant avec la rondelle, l'est du revers à Nicolas Landry. Landry avec le disque. La passe à Delisle. Le capitaine du boomerang là, qui finalement a tenté une sortie de zone et la rondelle a été déviée à l'extérieur. Donc, encore une fois, comme l'histoire du match, Olivier, comme nous l'avons mentionné tout au long de la rencontre, le boomerang tarde à sortir et à démarrer l'attaque. C'est très difficile de sortir du territoire défensif là. Ouais, face à une équipe contre les Nordiques, toutefois, c'est entièrement compréhensible. Les Nordiques qui exercent une pression incroyable sur les défenseurs du boomerang et leurs attaquants. Il ne faut pas l'oublier, des joueurs très rapides. Il fallait s'y attendre aussi parce que les deux équipes, veut pas, c'est deux bonnes équipes, deux puissances. Il fallait s'attendre à ce que ça soit une série très serrée entre les deux. La rondelle se retrouve derrière le but. Et maintenant, c'est Rigaud qui a la rondelle. William Secours. Secours avec le disque. Avec Gauthier qui le suit en arrière. Gauthier applique une mise en échec. Tente de gagner la rondelle. Et finalement, c'est récupéré par Terrien qui l'envoie à Chouinard qui va d'un dégagement à l'autre bout. Ça va être récupéré par Delisle. Et refusé contre les Nordiques. Alors qu'il reste 5 minutes à la troisième période de cette première partie. Première rencontre de la finale de la Ligue de hockey collégiale du réseau Sport étudiant du Québec opposant les Nordiques de Lionel Groulx au boomerang, c'est Jean-André Landau qui tire de l'arrière par la marque de 2-0. La Chapelle qui est à la mise en jeu face à Jonathan Terrien. Chouinard qui a la rondelle maintenant, la passe à son coéquipier qui tente de sortir. C'est une passe en direction de Secours, mais interceptée par Roy. Chouinard là, qui joue bien pour tenter de récupérer la rondelle. La forme qui tente de rentrer la rondelle dans l'autre territoire. Et La Chapelle qui laisse à Payan, qui laisse à Roy de l'autre côté. On y va d'un tir. C'est bloqué par le bouclier du gardien.
Chouinard qui l'envoie à Rego. Et on y va d'une sortie de zone du côté des Nordiques. Croix qui a la rondelle. Croix qui laisse à Payan qui va d'une sortie de zone à la forme. Mais finalement, c'est récupéré dans le territoire central par Coton qui effectue un dégagement et on applique des changements du côté du bord d'Alexandre Dardenneau. Alors que c'est le capitaine Bruno Quentin qui a la rondelle. La passe à l'autre bout. Maguire qui reçoit la rondelle, l'immobilisation du disque. Alors, du côté des Nordiques, du côté des Nordiques, on garde le jeu très serré. Il n'y a pas beaucoup de chances qui sont données dans l'enclave. Le gardien voit les tirs qu'il reçoit. Alors qu'il reste 4 minutes à la troisième période. 2-0 pour les Nordiques. Mise en jeu, là. À la gauche du gardien, c'est remporté du côté du boomerang. Alors que Brooke qui récupère le disque, la passe devant lui à Green. Et finalement, c'est récupéré par Quentin, mis en échec le long de la bande. On se bat 3 là pour la rondelle, 4 même. Et finalement, la rondelle est gagnée par Bruno Quentin, qui connaît un très fort match. Et puis, mission provoquée par Quentin. Un avantage numérique pour les Nordiques. Michael Green qui écope de cette punition. Oui, encore une fois, une punition d'indiscipline, alors qu'il était aux prises avec Bruno Quentin. Un joueur à plusieurs facettes, ce Bruno Quentin. Autant il peut produire en offensive, autant il peut exceller en défensive, il peut causer des punitions également. Et son équipe se retrouve en avantage numérique en fin de match. En fin de troisième période, alors que son équipe tire de l'arrière par 2. Alors que là, c'est les Nordiques qui reprennent la rondelle dans le territoire neutre. Cédric Chouinard avec le disque. La passe à Farmer à sa droite. Farmer, la passe à Rego en arrière. Rego, toujours en contrôle du disque, contourne les joueurs du boomerang. Et c'est récupéré par Paiement qui l'envoie à la ligne bleue. Le tir de Chouinard, c'est l'arrêt, le retour et finalement le dégagement du côté du boomerang. Et on applique des changements du côté du banc d'Alexandre Dardenneau. Rego qui va récupérer la rondelle derrière son filet. La passe à Charles-Antoine Paiement. Paiement avec la rondelle maintenant, ça mène dans le territoire adverse. Il va de dégagement en fond de territoire. Et le boomerang qui récupère la rondelle pour dégager à l'autre bout. Donc, le désavantage numérique là, du boomerang qui fait du bon travail en fin de troisième pour essayer de garder l'honneur à cette troisième période et à l'équipe. Alors qu'il ne reste pas beaucoup de temps et qu'elle tire de l'arrière 2-0. Mathieu Rego maintenant en arrière du but. Alors qu'on applique des changements du côté du banc de Charles Duferré. Rego avec la rondelle, la passe pour Yann Doggett dans la zone neutre et finalement c'est récupéré par Boulet en arrière. Boulet s'amène dans le territoire offensif, faufile. Et finalement, le Paiement qui intervient pour sortir la rondelle du territoire. Quentin qui va d'un dégagement. Quentin connaît un excellent match ce soir, Olivier. À la ligne bleue, Quentin qui intervient pour garder la rondelle dans le territoire adverse. Paiement avec Gagnon qui tente de récupérer la rondelle. Et finalement, dans le coin, on se bat à 5-4 pour la rondelle. Il reste 2 minutes à la rencontre entre le boomerang, Cégep André Laurendeau et les Nordiques du collège Lionel Groulx. Payan qui récupère la rondelle. Une passe à Coton. Coton qui tente de sortir la rondelle, mais impossible. Boulet maintenant. Doggett, le tir, l'arrêt de Maguire. On récupère la rondelle. On tente de la récupérer. Et finalement, c'est récupéré par Boulet qui tente un tir, ça rate la cible. Et c'est Payan, oui, qui va récupérer la rondelle, qui va d'une passe, c'est trop long. C'est en direction de Michael Green, là, et on applique des changements du côté d'Alexandre Dardenneau. Jacob Brooke qui s'amène à l'attaque avec Michael Green. Green s'amène, la passe, c'est dévié dans le filet protecteur. Une belle percée à l'attaque pour le boomerang. Oui, une belle percée, et Brooke qui a été accroché en tentant de faire dévier cette rondelle derrière le gardien des Nordiques. On tente notre chance encore avec 2 minutes à faire, Tristan, de revenir de l'arrière dans cette rencontre. Il reste 1 minute 18 à la troisième période. Et là, les officiels qui
décide de faire la mise en jeu là, dans le territoire central. Non, pardon. C'est un temps d'arrêt demandé par Alexandre Dandenault. Mes excuses. Donc là, du côté du boomerang, on peut essayer le tout pour le tout là, en fin de troisième. Oui, on semble avoir déjà retiré le gardien Guillaume Maguire au profit d'un sixième attaquant. Et il restera à savoir si on sera capable de prendre des tirs face à cette défensive impitoyable du côté des Nordiques depuis le début de la rencontre. Une défensive là, qui excelle. Là. Et sans dire que c'est surprenant, ouais. Une équipe qui marque autant de buts, on ne s'attend pas nécessairement à ce qu'elle en accorde aussi peu. Et les Nordiques qui ont eu le numéro du boomerang ce soir. Si ce n'était de l'indiscipline et des chances de marquer ratées du côté du boomerang, on aurait peut-être eu une chance de revenir dans cette rencontre un peu plus tôt. La série est encore jeune, elle ne fait que commencer. Et nous devrons avoir droit à de l'excellent hockey. Alors que Guillaume Maguire est au bord pour le boomerang, avantage 6 joueurs là, pour le boomerang, le tir, ça rate le filet et Panton fracassé pour Green et le filet qui a été déplacé a quitté ses abords. Et on a décidé d'appeler une punition du côté des arbitres. Assez de punition. C'est un lancer de punition pour le boomerang. Alors là, c'est une occasion en or. Oui, je comprends l'appel de l'arbitre. C'était la troisième fois que le gardien sortait le filet de ses amarres. Et même si ça n'a pas l'air intentionnel, il faut qu'il fasse attention. Et le boomerang se voit mériter un tir de punition à cause du filet, entre autres. Alors, c'est l'attaquant Tristan Gagnon qui va effectuer le tir de pénalité face au gardien de but Carmine Anthony Pagliarulo sous les huées de la foule. Moment important pour le boomerang. Absolument. Alors Gagnon qui attend le signal de l'arbitre. Et c'est parti. Gagnon s'amène devant le gardien. Tristan Gagnon s'amène. Il va d'une fin de le tir là. L'arrêt du gardien. Les joueurs là, des Nordiques vont saluer le travail de leur gardien de but. Mise en jeu remportée par le boomerang, la rondelle qui sort. Roy qui récupère la passe à Landry, à Roy. Roy. Il va une passe à Landry, laisse à Roy derrière. Dernière minute de jeu à cette troisième période. Gagnon, il va d'un dégagement à l'autre bout. C'est récupéré par Régaud. Régaud, on se bat. Puis finalement, la rondelle, il va sur la palette. Le Roy, le tir, l'arrêt, le retour, un autre arrêt. Et finalement, on sort la rondelle du côté. Et la poursuite pour la rondelle continue du côté de Landry. Le gardien a perdu son masque du côté des Nordiques. Ah! Donc, c'est ce qui a causé l'arrêt du jeu. C'est une belle pièce de jeu du côté du boomerang au cours de cette séquence. Et Pagliarulo qui a effectué le travail en sauvant son blanchissage. 37 secondes à jouer à cette troisième période. Il n'a peut-être pas la technique la plus élégante, mais il fait très bien le travail sur la dernière séquence. Encore une fois, il est allé d'un arrêt spectaculaire en sautant à sa droite afin d'empêcher le boomerang de lui enlever son blanchissage. Alors, Daou face à Bro qui gagne dans la mise au jeu. Mimo maintenant avec le disque. La passe de l'autre côté à secours. Et finalement, le dégagement s'est récupéré à la ligne centrale. Landry qui va le dégagement à l'autre bout. La foule ne sait pas entendre. Le dégagement, ça s'en va à l'autre bout et ça ne rentre pas dans le filet. Il s'est refusé. Le gardien qui a tenté un tir, Olivier. Et ça a arrêté le compte. Avec 5 secondes à jouer à cette troisième période, la foule en faveur du collège Lionel Groux qui se fait entendre.
reste encore une quinzaine de secondes avec un filet encore désert. Bien déterminé. Bien déterminé. Et du côté du Boomerang, on y va le tout pour le tout. Green à la mise au jeu face à Daou, c'est remporté par Green. Landry qui passe la rondelle. La rondelle se retrouve dans le territoire des Nordiques. Le dégagement à l'autre bout. Et Green qui va toucher à la rondelle. Bien, c'est ce qui met fin à la rencontre, Olivier. Ça a été très difficile pour le Boomerang de sortir de son territoire. Et c'est probablement ça le point de combat du match ce soir. Ouais, l'indiscipline qui a coûté la rencontre au Boomerang, malheureusement. De cette rencontre, l'indiscipline du Boomerang, malheureusement, qui va refuser très probablement ce match, ce premier match. Et on n'a pas le choix de parler des revirements. Malheureusement, la défensive n'a pas fait le travail. Et il faut s'attendre à ce que ça brasse dans la chambre du Boomerang après ce match. Alors, une victoire pour les Nordiques du collège Lionel Groulx par la marque de 2 à 0. Et on vous invite déjà au deuxième match de cette série qui aura lieu dimanche à l'aréna de l'Or Saint-Laurent de la Salle dès 14h30. Nous serons à l'antenne avec Steve Legault qui sera à la description du match de cette rencontre et Olivier Berthelot à l'analyse. Alors, au nom de Tristan Mac et d'Olivier Berthelot et de toute l'équipe, merci d'avoir été là et on se retrouve dimanche. Alors que le Boomerang recevra les Nordiques du collège de l'équipe. Merci d'avoir été là et à la prochaine. Au revoir. L'organisation des Nordiques et du collège de l'équipe vous remercie de venir si nombreux ce soir et vous invite au match numéro 3 de cette série finale 3 de 5 des séries éliminatoires de la Ligue de hockey collégiale Division 1 du Québec qui se tiendra ce vendredi 13 avril.